Quelques mois plus tard. Et puis sur ce, salut Jean, on se retrouve ici maintenant pour nos premiers moments sur Red Dead Online. Si vous voulez savoir à quoi ressemble exactement notre personnage, on l'a créé il y a quelques heures dans la vidéo précédente. Allez voir si vous voulez savoir comment on l'a fait. Officer Benton, kitchen needs staff. Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer, and you'll do. We need to perform a work detail out near Blackwater. Come on, get in. Open the gate. Allez, on est chaud. Come on, Milliken. Donc là, c'est vraiment juste une petite première découverte. On va faire là où les premières missions. Et puis, bien sûr, on va bientôt aussi se retrouver pour des live streams, pour d'autres vidéos Red Dead Online. Et puis bah pour plein d'aventures, et puis la semaine prochaine il y aura de nouveau la suite de nos aventures sur Red Dead, le mode solo, et puis bien sûr tout le reste, BO4, Fortnite et GTA, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais pour l'instant on va en profiter de notre début sur GTA, sur n'importe quoi, je dis GTA, de Red Dead Online. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Donc justement, cette fois, Rockstar voulait faire beaucoup mieux que GTA Online, parce que je sais pas si vous le savez, mais au début, GTA Online était vachement buggé, il y avait plein de bugs, et ça, ils veulent l'éviter. Bon, ils veulent l'éviter aussi en mettant justement en sorte une bêta avant de sortir le jeu, enfin la version complète en ligne. On verra si ça sera c'est réussi ou pas. Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away. Before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Notre personnage ressemble un peu à Jésus. Suivez l'inconnu. Allons le suivre. Ok, il va nous emmener voir éventuellement notre premier cheval. Alors je sais pas si ça va être directement le nôtre ou pas. C'est pas la meilleure monture, ok. Ouais, bah, ça doit être une monture de base. C'est sûr que c'est pas notre pur sang arabe du mode solo, hein. Ça, c'est sûr. Mais moi, c'est moi, ça l'est, je pense, le brun. Par contre, à long terme, j'aimerais bien changer de vêtements aussi, parce que c'est vrai que c'est pas les meilleurs vêtements du monde non plus. Ok, ils nous disent un peu les touches de base. Je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas éventuellement pas essayé le mode solo et qui tentent directement le mode en ligne. There's others convicted when you were came out breathing fire. Maybe you're like that too.
Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. But you will listen to. Bon, l'attendait avec impatience, ce mode en ligne. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. Surtout après le passage solo est énorme. Totalement énorme. And freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? He's just up here. There's the camp. Okay. Get your horse. C'est visiblement le campement ici. On va l'attacher ici. Been a while since you saw a hitching post, huh? Allez. This way. She's anxious to meet you. Je suis plutôt satisfait de notre gars. On dirait un jeune Jésus. C'est excellent. Madame, we're back. Hello. Jessica the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, ah ouais, carrément. So help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Ah, ça, ça m'arrangerait de ouf. This way. You'll find a change des vêtements pour moi. Alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Ah, merci les gars. Ah, ça, ça me... Ah, ah. Ça, ça fait du bien. Par contre, ouais. Je pense qu'on n'a pas vraiment trop le choix pour l'instant. Ok, ok. Ouais, bah, on va prendre pour l'instant ça. Parce que disons les autres. Bon, à part si on prend pas de chapeau. Mais écoutez, si on est au Far West, il faut prendre un chapeau. Bandana, accessoire de cou, ça, tout ça, on n'a pas encore. Après, veste en cuir, ouais, bah du coup, on va prendre, ouais, cette couleur-là, elle est bien. Allez. Chemise. Ça marche. Ok, ça, on va faire comme ça. Tac. Bon, pour l'instant, on n'a vraiment pas beaucoup de choix. Mais ça, ça viendra par la suite, certainement. Comme ça. On est bon. Voilà. Des gants. Oh, bah écoutez, pourquoi pas. Si déjà. Équipement pour armes. Pour l'instant, on n'a rien. Chapeau, manteau, ça, on a la chemise pour être... Est-ce qu'on a déjà fait le tour? Non. Ici, et à pantalon. Ah ouais. Ah ouais, les gars, mais ouais. Il y a que des pantalons dégueulasses. Ok. Et l'autre? Il y a un peu plus de choix ou je pense pas. Si, peut-être ça. Parce que ça, ça va bien avec nos couleurs qu'on a déjà. Bon, c'est vraiment pourri, mais bon. Comme dit, à long terme, bien sûr, tout ça, on va changer. Des bottes. On peut carrément se balader pieds nus, quoi. C'est quoi cette histoire? Ouais, bah, on va prendre cela. Tac. Ou même. Non, ça c'est bien. Voilà. Ensuite. Comme ça. On a recommencé là de nouveau. Ah, je crois que... Ouais, bah, on est bon. Ok, d'accord, on a fait le tour. Attention, en quittant la garde-robe, vous validez votre tenue de départ. Voulez-vous vraiment partir? Oui.
Allez, le jeune Jésus va passer à l'aventure. Non, il s'appelle Monsieur Live Gaming. Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet, get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think he'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps, get up. Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. A.B. Cripps at your service. We'll pay to get your campus. Bon, il était pas obligé de se cracher dessus, mais... Clerk is a generous benefactor. And where are we headed? Appuyer pour accéder au menu joueur, ouais. Alors, allons choisir le camp. Définir le lieu du camp, ok. Petit. Grand. Hop, ça fait juste un dollar de différence. L'entretien du camp entraîne des frais journaliers. Un grand camp peut accueillir de 1 à 7 membres du groupe. Et là, c'est petit, donc de 1 à 4. Ok. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, au niveau de la zone, on n'a pas le choix non plus. C'est ici que ça se passe. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Allez. Il y a déjà le gars qui nous appelle boss, ça fait déjà plaisir. D'accord, donc on va monter sur le cheval. Et on va y aller. Bureau de boss de Blackwater. Allez, c'est parti. Allez voir l'employé de la poste. Allez. Bah pour ceux d'ailleurs qui m'ont demandé... Attendez, on va vite voir ça.
Pour ceux qui m'ont demandé, est-ce que toute la map est déjà déverrouillée? Oui, en effet, on peut déjà directement aller, même au Mexique, là-dedans, à Austin, New Austin, et on peut vraiment tout visiter dès le départ sur le mode en ligne. Donc, il n'y a pas de restrictions. Voilà. Maintenant, donc, on va aller voir l'employé de la poste. Allez, pourquoi pas. C'est ici que ça se passe. Alors par contre, comment ça se passe au niveau des chevaux et tout ça, on va encore découvrir, bien sûr. Monsieur, est-ce que je peux pas vous parler comme ça? Interaction, si, si. Alors, salut de la main, descendez l'air, Allô? Il ne me voit pas. On va pas l'insulter, par contre, on va... Il me voit pas par contre. Oh le fail. Je dois rentrer. Putain, il fait chier là déjà. Monsieur, vous me voyez pas là? Quand je vous parle de derrière? C'est normal. Ah merde. Je suis monté dans le bureau. Sur le bureau, putain. Eh, arrête de monter partout toi. Alors. Hello. You must be a Horley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden. That's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help. Fellow sufferer with pertinent information. Ils sont tous découragés, c'est amusant. On dirait que c'est bien d'être découragé. Ah, moi je suis très découragé. Les autres aussi, c'est... On est tous là, on est tous présents. Alors... on va donc aller à Tall Trees. Allons-y. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi en ligne tout le monde a besoin de monter sur quelque chose? Nous qu'on rentre dans le truc de la poste, le bureau de la poste, le gars il monte direct sur le bureau. Il monte partout et puis notre cheval c'est pas mieux. Excellent. Ok, donc là ils nous apprennent aussi au niveau de la bouffe, comment on mange, enfin si, qu'il faut régulièrement manger. Je pense que pour tous ceux qui ont déjà joué à la version solo, vous connaissez. C'est toujours le même truc. Et puis, si là maintenant je cours trop longtemps, enfin si je suis trop longtemps au galop, avec le cheval, il va se fatiguer aussi. Il faudra laisser le temps de un peu mieux négocier ça. Alors, apparemment, il y a un peu moins d'animaux sur la map en ligne par rapport au solo. Mais ça reste quand même très immersif et très impressionnant. C'est là-bas que ça se passe. Par contre, il faut dire que c'est toujours aussi beau. Hein. En ligne, que ce soit en ligne ou pas. Ok, il faut éliminer du monde apparemment. Allez, ça on sait le faire. Par contre, je pense qu'on va aller au revolver pour l'instant. Tac, il y en a encore un autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Est-ce qu'on peut fouiller? Oui en effet on peut fouiller. Ah merde, par contre il y a encore du monde. Fouille pas. Oula. Mais mon gars, tu te calmes. Allez, castagnette. Par contre j'ai perdu déjà mon chapeau. Allez. Il est où l'autre? Ok, la moitié des balles à côté, c'est excellent. Ok, par contre maintenant, on va fouiller un peu.
Allez. Fouiller, ça fait toujours si plaisir, les gars. Par contre, j'aimerais bien reprendre mon chapeau, du coup. Est-ce que c'est le mien, ça, ou c'est... Ouais, je pense que c'est le mien. Parce que les autres, ça ressemble pas du tout au mien, donc... prendre celui-là pour l'instant. Lui, on l'a déjà fouillé. Ça, c'est très important, les gars. Ça, je pense que même en ligne, c'est partout important. Par contre, il y en a un que j'ai pas fouillé, apparemment. Et c'est... Il y en a un là. Ah oui, là, ok. Bah, je l'avais même pas vu. Voilà. Donc là, nous, on se rapproche de la fin de cette première vidéo découverte du mode en ligne. Mais par contre, est-ce que vous voulez voir, c'est ça la grosse question que tout le monde se pose, est-ce que vous voulez voir la suite de nos aventures ou pas? Comme d'habitude, c'est à vous de décider si vous voulez voir la suite ou pas. Donc dites-le moi dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça me ferait toujours autant plaisir, bien sûr. Ok. Donne. Si tu me fais un coup fort, mon gars, tu vas mourir. Sache-le. Ok. Allez, casse-toi. Casse-toi d'ici. Ok, très bien. Gain d'honneur. Ah bah parfait. Parce que bien sûr, on va faire quelqu'un de très propre. Ou pas, ça je sais pas encore. Alors, ouvrez la carte au trésor. Ça se passe ici, la carte au trésor, ouais. Pour l'instant, on a 45 centimes. On n'est pas très riche pour l'instant. Zone de recherche. Ouais. Et nous, on est là pour l'instant. Ah, ok, d'accord. Ok, donc c'est ici qu'il faut aller. Ça marche. Il n'y a absolument pas de souci. On y va. Mais par contre, du coup, ça sera pour la prochaine fois. Si vous voulez la suite de l'aventure, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, bah, même peut-être demain. Demain, pourquoi pas, demain, la suite de l'aventure l'aventure en ligne sur Red Dead Online. Donc dites-le moi dans les commentaires, et puis bah, si vous êtes chaud, je suis chaud en tout cas moi, et puis comme ça on va se retrouver demain déjà, pour la suite de l'aventure sur Red Dead Online. Salut Jean, et à demain pour la suite, et enfin si vous voulez bien. Et puis bah sinon, ce week-end, de toute façon, on va se retrouver pour du F1, et pour plein d'autres vidéos encore qui vont suivre par la suite. Voilà, salut Jean, et à très très bientôt.